Salut tout le monde, salut, bon dimanche à vous. J'espère que ça va bien. Alors on va faire les petits tests pour voir si l'image fonctionne bien, si mes réglages, ça a l'air quand même d'être beaucoup mieux, non? J'ai changé donc mon framerate, ça a l'air d'améliorer les choses. Ça a pas l'air de trop ramer. Alors, je suis comment au niveau consommation, processeur? C'est pas si pire, donc ça a l'air d'aller, donc j'espère que tu vas bien. Ah c'est plus propre, hein, donc... écoutez, on va se lancer dans le jeu. Donc je suis content que mes réglages... Donc c'était un problème de framerate, je sais pas pourquoi, c'était repassé à 2000. Ça a l'air d'être beaucoup mieux, je suis très très content. Bon dimanche à vous, j'espère que ça va bien. En ce dimanche béni, où dans quelques heures, Recalbox lancera son crowdfunding pour le RGB JAMA. Je suis très très content et très impatient, donc... Je me connecterai à 20h si je suis à la maison, sinon un peu plus tard pour regarder le replay. Et puis, en tout cas, pour moi, je sais que bon, c'est un objet qui est donc pour une niche, hein, mais ça sera backé Day One, quoi. Je suis content. Donc, hier soir, pas de live, j'avais un peu de monde à la maison. J'ai eu le temps de tester Nakululu, donc la dernière traduction que je vous ai parlé, là, sur Dreamcast, qui est en fait une visuelle Noël. Donc, c'est cool d'avoir enfin une visuelle Noël traduite. Après j'avoue que c'est pas forcément ma cam parce que c'est uniquement de la lecture. Faudra voir si au niveau du gameplay c'est un peu plus évolué, mais c'est donc une visuelle nouvelle d'SNK sur le personnage de Nakululu de Samurai Shodown. Voilà, donc on va pouvoir se remettre sur Zelda. Comment tu vas, comment ça s'est passé toi hier soir, hein? T'as un peu avancé? On va lancer le Zelda. Et on va, je sais pas ce qu'on va faire, on va aller se balader dans Hyrule, peut-être au sud d'Hyrule. Là j'étais au niveau du plateau du prélude, peut-être continuer vers là. Brancher. Et on va basculer sur la scène de jeu. Alors. Mettre la salle. Il faut que je fasse pareil, il faut que je désactive et réactive la source pour qu'elle me l'affiche. C'est pas très grave. Hop, on va couper la musique. Et... Alors je peux... Ah oui, je suis allé trouver la deuxième statue hier soir. Et il y avait un... Il y avait un gigatracien que j'ai pas réussi à buter, donc... Attends, juste voir le replay, voir ce que ça donne, mais ça a l'air d'être mieux, non? C'est quand même beaucoup mieux. Ah ouais. Ouais, c'est quand même mieux. Oui, j'ai obtenu la tenue anti-bias. Je l'ai eu juste là, parce que la statue, elle est là. Je l'ai eu juste ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de là. Ah bah, on sort le géoglyphe. On va se faire le géoglyphe. On va juste se sortir de là. Se mettre là. Et moi je vais sortir le téléphone pour ta carte. Et on va aller au prochain géoglyphe. Alors qui m'affiche ton message? Ah ouais? Donc on avait fait 5 et 6. Et le 7, il est où? Oula, le 7. Le 7, il est... ici. Ok, alors... je suis où, moi? Il faut...
Allez, go, cette direction-là. Allez, c'est parti. Salut là. Voilà, et voilà, couper les arbres. Ah, je te laisse emmerder par un pommier. Voilà. Quelques fruits là. Ça sert toujours. Je vais bien dans la bonne direction. On est ok. On a un sanctuaire pas très loin. Un peu de lumière, ça serait pas mal là, au niveau de la météo. C'est quoi ce temps de merde? Zelda Tears of the Temps Pourri. Ah, j'ai pas la bonne direction. C'est celui-là? J'ai pas débloqué ce... de relais? Est-ce que... Ah. Ah, c'est la première fois, donc j'ai un point. Ok, et j'ai une récompense du coup? Ouais, j'ai une récompense. Oh. Allez. Oh. Non, on s'en fout. Oh. Ah, quoique. Ah, faudrait peut-être aller au village Cocorico sur mon passage. Enfin, peut-être prendre une nuit. Alors, on prend le lit de marlon. Ok. Allez, on prend un lit normal. C'est la première fois que je fais le lit, donc on va tester. Alors. C'est pas grave. Allez, jusqu'au matin. Au moins ça me fait les cœurs. Voilà. Et on va récupérer la récompense. Sur le sanctuaire. On passera par Cocorico, par un truc pour aller au moins récupérer un peu d'endurance. Parce que je dois être à 6 ou 7 réceptacles. Hier soir, on a testé de faire des margaritas. Avec le nouveau blender, là, c'était cool. Trouver l'équilibre.
Alors ensuite. Et travaille pas trop pour l'instant, pas trop chiant. Mince. Je saute droit. Ayamp. Ok, on est passé. Ouais. Il m'en faut 2, 3, 4, il m'en faut tous, je crois. On va les récupérer les autres. On va se faire un pont. Tu vas m'en dire des nouvelles. Allez, on monte. Le confort, moi je dis. Ouais, ça marche. Attends. Allez. On file celui-là. Alors. Enfin le truc de l'enfer. Ouais, 21, ouais, je sais que c'est 21. On y est pas encore au 21 là. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On y est pas au 21. Allez, attends, allez. Il est pas beau mon radeau.
Ah, il faudrait que je traverse un peu vers là. Ah, enfin. Oups. Allez, avance. Et bon. Bouclier épine 2. C'est bon. Alors. Eh merde. Allez, par là. Je vais diriger la bonne direction. On est bien sur mon bateau d'un aérodynamisme à toute épreuve. Allez, tourne. Eh bon, on est monté. Je vais vérifier. Ouais, c'est mieux quand même la qualité. Pas non plus best, mais... Ok. Alors, on a combien de réceptacles? J'ai complètement perdu le compte. Ah bah parfait, on va pouvoir se monter un de chaque. Donc on va aller direction Elimite Cocorico. Ah, une nouvelle affaire. Je t'ai pas vu toi. Un petit oiseau m'a sifflé à l'oreille la rumeur d'une nouvelle affaire. Les habitués ont fait une réservation dans ce relais, mais ils ne sont jamais arrivés. Apparemment, ils avaient dit à Gotha qu'ils s'occupaient de la cuisine ici. Je me suis bloqué le cou cette nuit, je suis ravi. Il lui apprendrait une recette qui tienne directement de Dame Zelda. J'ai un très mauvais pressentiment. Ouais, mais tellement, c'est lui, quoi. Est-ce que t'as regardé le dessin animé de la nouvelle bande à Picsou qui est sur Disney+, là, il y a 3 saisons? Franchement, Matelé, c'est juste excellent. Gotha passe son temps à attendre comme ça.
tout de même. Des clients qui ne viennent pas, ou alors des clients qui ne peuvent pas venir. Sans parler de la recette transmise directement par Dame Zelda, ce serait un vrai scoop. Oh. Ouais, bon après il y a une vraie fin, c'est cool, le cliffhanger de fin est génial. C'est vraiment vraiment chouette. Cette histoire, je crois que ça vaut le coup de s'y intéresser. Ah, si je vais dans cette direction. Ouais, alors attends. Carte. Il faut que j'aille dans cette direction là. On va se faire un petit radeau. Non, c'est pas là que je le collais, c'est pas grave. Qui veut aller par là, forcément. Bon. Et on va traverser la nage. Si j'y arrive. Je vais pas y arriver. Ah, oui, j'y arrive. Ouf. C'est moi une ça. Oula. Oh. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Ok, il va pas plus haut. Alors cette tour à gauche, je l'ai pas faite celle-là de tour. Pourtant si. Elle est si loin que ça. Si je l'ai faite, c'est celle où je devais passer par la grotte en dessous. Toute cette zone à... On verra ça plus tard pour la tour sur cette zone là. C'est là. Il ne bouge pas. Ah oui, j'ai trouvé ça par hasard aussi. J'ai trouvé le masque de Yiga. Sur le plateau du prélude.
Alors, si tu veux savoir où est le masque, tu me dis, je te dis où il est. J'ai plus beaucoup de flèches, moi. Ah, il faut la tenue complète, parce que je sais où c'est normalement. Je crois que je suis tombé par hasard sur le sur leur campement là, caché. Tu l'as trouvé où la tenue, toi? J'aimerais que j'ai... Je vais peut-être me faire péter le guide, en fait. Village Cocorico. Est-ce qu'on va d'abord vers Cocorico? On est plus proche. Tu l'avais en finissant d'améliorer la tablette. Ok, donc il faut débloquer tous les... Alors, allez au Cocorico. Il faut débloquer tous les trucs de la tablette. Bon, écoute, on va voir. Déjà, on va aller à Elimite après. Alors, si on va à Elimite... Voilà. On va monter par là-haut. On a un peu d'altitude. Allez, grimpe. Ah, tu peux me dire que t'avais pas grimpé là. Des yeux. Vous savez que je bosse mon texte pour la semaine prochaine, moi. Les musiques dans la plaine sont quand même assez sommaires. Ok. On avance. Gentiment en direction. Je suis sûr qu'il y a un truc au bout là-haut. Là-haut, il y avait. Avant, il y avait un sanctuaire par là. Dans le précédent, je crois. Il doit y avoir un Korogo ou une connerie comme ça. Un caillou qui est tombé. Ah! Ah, sérieux, ce chat là a du retard par rapport à celui-là. Ouais, y'a. Ok. Je pourrais pas monter de l'autre côté. Mieux vaut que je passe si je passe par là. Par là. Deux petits sanctuaires par là, c'est quoi ce sanctuaire en bas à gauche là ou c'est... Si je vais...
J'ai fait demi-tour ou quoi? Oh, on va te laisser dormir. Qu'est-ce que je fais? Je me rapproche de la tour là, qui est juste là. Bah ouais, il y a une tour et un sanctuaire là, on va se faire ça. Toujours utile. Ouais, mais ça, je vais. On va débloquer ça, et puis de toute façon, ça sera toujours mieux d'avoir quelques coeurs en plus en arrivant à la limite. Si, bon, là, je suis à 8, donc je peux faire un check, mais bon, si j'arrive à. Si j'arrive à 12 en arrivant au village, ce sera toujours bien quoi. Alors, la forme qui recouvre. Tu peux grinder si tu te mets un truc, une planche sous le bouclier, tu peux grinder sur les. Non non, allez, reviens ici. Bon. Il est parti. Ah il a, ça m'en ira pas. Ouais, faut amalguer bouclier et wagonner, ça va. C'est ça, ouais. Alors. Ça sera assez large, là. Il y a tellement, ils ont fait, franchement, ils ont bossé de dingue sur les amalgames. Hein. Et j'improvise complètement, mais je me dis que
Et... Non, c'est pas ça que c'est pas sûr que je vais prendre. Si on met ça comme ça, ça va nous faire un rail et on va pouvoir se mettre sur le prochain. Bah viens Jonah, j'ai en train de me dire, ça va, je sais que t'es en live. Bah viens. Attends, je vais équilibrer un peu. Ok. Alors est-ce que mon invention diabolique va fonctionner? C'est un poil lourd. C'est un poil lourd. Comme ça, est-ce que tu avanceras mieux? Alors, déjà, il avance mieux. Ok. Bon. J'ai perdu tout équilibre. Elle est un peu roulou, elle, ça je... Ce sera moins lourd, mais ça, on va ranger ailleurs. Quoi? Alors, est-ce que ça va aller mieux comme ça? Allez, ça bloque. J'aurais dû les accrocher tous les trois.
Aïe. Il est où l'autre? Oh putain, il est resté là-haut. Ok. Je peux plus choper. Je peux plus le choper. C'est d'aller décrocher là-haut. Allez. Salut la loutre, comment ça va? Je ne crois pas. Non, les objets sonores, ils sont bloqués. Décroché. Y'a tout qui s'est pété. Ici. Alors, attends. Et je fais des bêtises. Et si je m'en servais comme guide, justement. C'est-à-dire que si je les colle. Si justement je les colle. Ah, attends. Ah ouais, tu peux faire ça, ouais. Sinon j'allais essayer un truc comme ça, genre... Voler. Comme ça. Alors. Hop.
Oula. Ah. Je crois que je tiens un truc. Alors. Je crois que je tiens un truc. Coller comme ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. Alors. Attendez, excuse-moi, le chat. Elle rentre. Rentre. Elle vient. Tu fais. On va à la porte. L'indécision est à son paroxysme. Tu rentres pas. Ok. Juste pas avoir l'insupportabilité de la porte fermée. Alors, comme ça. Ça y est, tu rentres. Voilà. Mais juste pas que je lui dise. Salut Jika, comment tu vas? On va essayer. On était presque. Bah écoute, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. On teste l'ingénierie. Mais alors sinon, bah, j'y étais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire pareil. Et alors si, est-ce qu'il va aller assez loin si... Alors, attends, on va refaire pareil. Ouais, parce que je voulais... Il y avait un coffre en plus, non sinon. J'avais quelque chose, hein, mais... Ouais, bah écoute, on va se le faire à l'ancienne. Jusque là et puis on va les planer jusqu'au bout, puis ça ira bien. Alors, est-ce que je... Non ! Ouais, j'ai trop attendu.
Sinon, tu sais quoi ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre ça. Allez, hop. Technique du gitan. Ah si. Parce que si je le fais comme ça, j'arrive à m'envoler jusqu'au bout. Non, ça a pas l'air de voler. Est-ce que si... Ça vole que dalle. Bon. On va réessayer tout en se faisant des rails. On va tester. Descendre ça, on va descendre ça. Ouais, ouais, c'est comme ça. Allez, essayons comme ça. Ok, le pénitent le passe. Le pénitent le passe. On est pas trop mal. Ah
Ben voilà. Et ben voilà. Je vais te demander. En plus, on est surveillé. J'attaque quel jeu? Des héros. Bah, commence par FF7, je dirais. J'ai pas avancé. Ouais, commence par FF7, je dirais, non? Quel est le jeu que t'as fait en dernier? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, tu changes de position. Oh, ma fille. Ok. Et donc, on a une tour qui est juste là, normalement. Elle est juste là. Oui, je suis juste gratouille. Ouais, tu veux des câlins? Ouais, tu veux bouffer la main, ouais. Non, mange pas le câble. Mange pas le câble du micro. Il y a quoi là? Ouais, on va foutre la paix, ils sont en train de dormir, on va leur foutre la paix. Sur Avenger, t'avais bien aimé ton Avenger? J'avais fait juste la démo, je crois, j'ai pas réussi à accrocher. Mais oui, ma fille. Oui, oui, gosse. D'accord, t'as pas essayé. Et moi, ce qui m'avait choqué surtout, ouais, c'était vraiment le design des persos, quoi, qui était vraiment très très moche. À l'aide. À l'aide. Ah, et un coffre. Mais oui. Bah, c'est pas tant. C'est pas tant qu'il voulait pas. C'est bon, il est payé. Moi, ça me dérange pas qu'ils aient une autre gueule, tu vois, mais. C'est juste que. Tu vois, genre le. Le Batman que t'as dans les jeux Arkham, il a pas une mauvaise gueule. C'est pas un acteur. Non, tu peux faire un personnage fictif sans qu'il ait la tronche de Maïté, quoi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, ça. Ouais, c'est un film en plus. Alors, ah, qu'est-ce que tu fais là? Bon, on s'en cogne. Tu pourrais peut-être m'aider. Ouais, c'est pas ton problème. J'ai déclenché un piège en explosant les ruines. V'là me coincer maintenant, ouais, c'est bien ma veine. Oh. Tu vois cet interrupteur, si tu appuies dessus, il devrait me libérer. Mais comment je passe de l'autre côté? Ok, alors. Allez, on va foncer tout droit. On devrait trouver l'entrée d'une grotte. D'ailleurs, il y a une pouille là.
C'est... Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont mauvais design. Avec deux puits en plus. Ah. Des sous en plus quand j'irai voir la madame. Alors. Il dit qu'il y avait une andrée de grotte par là. À mon micro, c'est fini le chat. Hein. Non, mais en plus, t'es couché sur mon. T'es couché sur le clavier, là, tu fais des conneries. Ah, Ruby, sympa ça. Ah, ok. Je vais te défoncer la main. Yeah, yeah. Oui, ça dépend des dessinateurs, ouais. Ah, mais c'est lui qui va réparer la tour en plus, donc j'ai bien fait d'y aller. Aïe! Non, mais ça va pas, non? Quoi, cette attaque sournoise, là? Aïe! Arrête! Mais fous-moi la paix! Oula! C'est pas tranquille! Je prends. Sanctuaire par là. Oui, je penche la tête pour voir en bas. Bon, on va aller d'abord activer la tour. Ah, Jim Lee, c'est lui qui a dépoussiéré le comics dans les années 90. Quand tu regardes Batman Silence. Ouais, quand tu regardes Batman Silence ou Superman pour demain, c'est juste dingue quoi. Ok. C'est ça, ça me gêne, ça me distrait à chaque fois. Ok, c'est mieux. Allez, une part de la carte en plus. Ma tenue ne veut rien dire. Hein. J'ai essayé de traverser le pont sur le lac qu'il y a, là, il y avait un espèce de dragon de l'enfer qui m'a démonté ma mère. Oui, il y a un gros nuage là. Un dragon à trois têtes, ouais.
Bye bye. Alors. Bah, le retour du Lego, je pense qu'on devrait pouvoir se faire dans pas longtemps. D'ici une semaine ou deux, je dirais, je vais faire une petite pause. Je fais une fée. Alors attends, là je suis dans quelle direction? C'est pas du tout la direction dans laquelle je veux aller. Bon, il faut quand même une fusée aux fesses. N'importe quoi. On va faire la Batmobile, une petite pause de Zelda dans 15 jours là. Vendredi prochain, peut-être dimanche prochain. Faire la petite Batmobile et puis enfin il faudra faire le Sonic. C'était un gros fail. Bon. On a dit, du coup. Ah oui, je suis pas sur la bonne carte. Ok, je t'ai perdu, je reconnais pas. Où suis-je? Ah ben, je suis dans la bonne direction. Bah il y a un sanctuaire juste là. Et en plus, il y a une auberge, enfin. On va récupérer les fruits là. Parce que ça peut toujours servir. Bloqué, ça fait mal. Je sais pas, je crois que j'étais en place de mauvaise position, je me suis bloqué du cou jusqu'à l'omoplate. Le douille. Ça. Alors, leçon de combat bouclier. Ok. Sanctuaire, peu fait mal, toi qui pénètre dans ce sanctuaire, renvoie l'attaque de l'ennemi en donnant un coup de bouclier. Aucune autre attaque ne sera efficace, ici, prépare-toi. Ok. Ok, allez viens, vas-y, on va mettre la boule de feu. Et... Bim. Bravo. Travail terminé. Bah oui, voilà.
Ah. Ah, dommage. Alors attends, j'ai un bout parce que... Allez, donne-moi ton coup. Voilà. Tu maîtrises la technique. Tu peux à présent pénétrer au cœur du sanctuaire. Alors. Que j'ai des trucs de merde que je pourrais dégager. Tu vois ça, on va sortir. Est-ce que j'ai... Je suis full partout. Je suis full sentimental de partout. Eh ouvre. Ah ça c'est cool ça. Attends, par contre ça on va le prendre. On va dégager un... Et toi t'es tout pourri, échanger. Ok. C'est cool quand le live marche correctement, ça fait bien. Allez, 10. Plus que 2 sanctuaires, on va pouvoir se faire un truc cool en arrivant. Allez, temps de chargement. 42 sanctuaires, plus que 110. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Je suis dans la bonne direction. Est-ce que je vois un sanctuaire au loin? Ouh, c'est le poli ça. Bon bah écoute, de toute façon on va aller. Ça sent le Korogu ça. Comment on tire ça? Allez, tire. Je sais pas. Ah, bonne idée, ok. Donc une roquette. Ouais, je vais essayer de me prendre le jus, moi. Bien joué.
pas qui c'est qui s'est pris une roquette dans la gueule pendant ce temps-là. Allez. Ouf. Alors, en plus, il y a un caillou qui est tombé derrière la vache. Je vais pouvoir le récupérer, prendre de l'altitude. Ah si, mais je l'avais en plus déjà, ce sanctuaire, c'est pas grave. Prendre 2-3 piments, ça pourrait toujours servir. Ah, c'est des tomates, c'est des tomates grappes. C'est bien que tu puisses cumuler le retour en arrière. Bon, bien que j'en ai rien à foutre. Limite, il est par là. Attends, je suis pas sur le bon truc, je me mélange. Par là, il est mythe. Je vais dans la bonne direction. Je vais dans la bonne direction. Allez, que j'arrive sur le plateau au moins les gars, s'il vous plaît. Hop. Je ne me suis pas noyé. Déjà toi, tu vas pas m'emmerder longtemps. Ouais, mais je peux pas escalader. Bon, on va escalader par là. L'endurance que je vais récupérer en plus, là, sera pas du luxe, hein. Bon, quel temps il fait chez vous, celui-là? Il fait mouette. C'est pas dingue. Allez, j'y ai presque. Allez, Kiki, tu es presque. Poète, ah ouais. Ah, tu vois ici pareil. Ah, viens la piscine. Un peu plus qu'une feu, hein. Voilà, il y a un trou. C'était juste un trou. C'est juste un trou. Ah bah ouais. Il y a intérêt.
Je suis toujours dans la bonne direction, on est bien. Hyperion, ça va pouvoir faire Hyperfion du coup. Parce que... Non, ça c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas... C'est un vieux caillou, il est pas tombé celui-là. Ouais, m'emmerde pas toi. Prends un peu de hauteur et puis on va... C'est dégueulasse. Ok, la petite plaine. Oui non, c'est pas dégueulasse. Je peux, ne me tente pas. J'ai la technologie. Cœur hot top. Oui. Ok, à tout à l'heure. Tu laisses la porte ouverte parce que du coup j'ai chaud. Merci. Ouais, un petit peu en cas. Du matos. Ah, c'est réparé. Petite tomate. Suivre le chemin. Je fasse plus de photos pour le... pour l'encyclopédie. Ah ben on y est au village. C'était rapide en fait. Alors, elle est où la statue de la prêtresse ici? C'est bon, il y avait une statue d'année à droite là? On va remonter au laboratoire s'il y a un truc à faire. Dans le village, tu peux pas... Tu peux pas utiliser le pouvoir. Une luche. Quelque chose sympa à bouffer aussi. Est-ce que quelqu'un saurait me dire où se trouve la statue? Les cocottes. Pfff.
Maintenant on peut skater. Regardez-moi ça. Tony Hawk. Laboratoire. S'il me fait un autre truc. Bonjour monsieur. Hey toi. Vous savez que la tablette programme encore n'a pas notre. Elle peut encore évoluer. Ouais. La belle téléportation te permet de déplacer instantanément l'endroit où tu places. Ou ça je m'en sers. Ça on le gagnait en faisant les labyrinthes dans le précédent. Je l'avais dans le DLC, ok. Ok. Il faut ça. On fera une petite pause pipi après. Et il me demande quoi ? Qu'un sanctuaire. Oh, 15 ans cœur, c'est bon. Ouais, ça, je les ai, ça. T'avais un peu les mains vides de Link, là. Quel coulage. Tadada. Mon premier. Le père froisse. Désormais, tu peux. Dis-nous, c'est là. Tu peux afficher le chemin que tu as déjà parcouru sur la carte. Ok, ça c'est fait. Écoutez, on va faire juste sortir, on va faire une petite pause pipi et je reviens dans un instant. Et me revoilà. Alors, il va y en donner encyclopédique, ça je le ferai sur mon chemin.
Alors. C'est par là qu'il fallait que j'aille. Y'avait pas une tour par là ou... Alors attends, tac. Est-ce que celle-là... Mais ça je l'ai pas débloqué, mais on va faire la tour comme ça, on en trouvera plus facilement. Le géoglyphe. C'est bon, je suis couvert chaudement, ça devrait le faire. Ah, j'ai froid ? Ah, j'ai froid. Et j'ai pas trouvé la statue. Tant pis, tout à l'heure, une fois qu'on aura fait la tour, on ira se faire une petite téléportation au centre d'Hyrule. Oula. Si je prends une vraie arme, ça pourrait être pas mal. Ah, oh, j'ai 32 flèches. Oh, c'est bon, ça marche. Ouais, je me casse. T'as un combat. Aïe, me tape pas dans le cul. C'est une fuite en bonne et due forme. Et en plus des escaliers, on se croirait dans Senseiya. Ils auront quand même bien bossé leur truc où tu vois qu'il y a une civilisation parce qu'il reste trois bouts de marche enterrés sous la neige. Oh putain! Ah, non, casse-toi! Salut! Oh putain, oh, je me fais déglinguer! Je les attaque. Si, je t'ai fait un check, je dis coucou. Comment ça va? Ah, c'est moi qui s'est barré. Désolé. Comment ça va qui est? Ah, pas à toi. Ah non, elle, j'en fais pas de check, elles sont pas cool.
Je suis la bravoure incarnée, comme tu veux le voir. Ah, t'as eu, Lui, ça va. Lui, ça va. C'est dans mes cordes. Barre-toi ton nuage là. Allez. Je l'ai pas encore la tripance du courage. Faut que je la récupère, je pense. De l'ambre, ok, bon. C'est pas si pire. J'ai la bonne visée aussi, hein, comme tu peux le voir. Ah, je vous ai pas vu, vous. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire non plus. Une petite masse. Ouais, c'est la Force 3, c'est la version CDI. T'as, tu tombes bien, Calvandris. Tu sais me dire où est le... la statue de la prêtresse à... au village, là, à Trucmuche? Je me suis fait tuer par un caillou. Je repop là, ça. Ah ouais, ouais, non, mais... c'est la honte. Ouais, c'est quoi, vous m'avez gonflé, vous? Alors, tac, tac. Et voilà. Visez. Alors. Ils font la vie. Le village des limites. Bon. Parce que là j'aimerais bien remonter l'endurance et j'ai la flemme de me téléporter au centre d'Ilia. Au centre d'Hyrule, pardon. Hi. Salut, c'est moi, Bergin. Comment tu dis? Ça se prononce Bergin, mais ça va être japonais, donc... J'ai vu tous les combats. Le chasseur de trésors qui traverse les plaines enneigées. Bah s'il y avait du loot, à la limite, tu vois, mais... sur ces terres solitaires, règne un froid glacial et les monstres grouillent. Très peu sont ceux qui osent s'y aventurer. C'est Bergin, j'irai dormir chez toi. Et c'est justement pour ça qu'ils doivent dissimuler une myriade de trésors que personne n'a encore trouvé. Ok, tu vas au fort du guet, toi t'embêtes pas, ok. C'est en suivant ce raisonnement que je suis venu très loin jusqu'à la montagne de l'Anel. Et je t'avoue que je ne m'y attendais pas du tout à tomber sur quelqu'un. J'imagine que tu es un collègue. Dans ce cas, tu dois vouloir des informations au sujet du trésor, non? Et pour tout te dire, en venant ici, j'ai eu la chance d'attendre une légende au sujet d'un trésor dans cette montagne. Mon intuition ne m'avait pas trompé, il y a bien un trésor sur la montagne de l'Anel. Est-ce que toi aussi tu vas entendre cette légende? Très bien, alors je vais te la révéler. Je suis Bergin, le chasseur de trésors qui n'a rien à cacher. Voilà ce que dit la légende. De la source haut dans les cieux glisse sur la neige de la montagne terrestre. Traverse tous les anneaux de lumière et la lueur bienfaisante se présentera à toi. Qu'est-ce que t'en dis? Rien compris. Allez, avec un nom comme lueur bienfaisante, ça doit être un trésor vraiment extraordinaire. La source du haut du ciel, bah, il doit avoir une... Je pense qu'il me faut la tenue Zora.
Enfin, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Et puis, moi, je veux bien passer à travers les anneaux de lumière, mais il faudrait déjà que je les trouve. Mais j'abandonnerai pas. Je suis Bergin, le chasseur de trésors qui n'abandonne rien. Il a un jingle, hein. Ah bah t'es. Ah mais ouais, il faut la délivrer. Oh, prieur de chevalier, que honore ta prière, entends ma supplice. La statue de Mertrias, déesse qui repose dans une profondeur de gorge. Je ne sens plus sa présence. Je t'en prie, preux chevalier, rapporte-moi des nouvelles de la statue matriarche. S'il te plaît, je t'en supplie. Ok, bon, on va continuer à monter. Ouais, c'est celle. Mais alors, elle, il faut. J'ai pas trouvé encore ce qu'il fallait pour la débloquer. Vous excavez tout ça, y'a pas un chemin. Bon, est-ce qu'il y a des, hein. Ah putain, faut que je sois, je glisse sur cette saloperie. Alors, par où je grimpais. Hop. Désolé pour ce mouvement de caméra un peu brusque. L'autre elle a dit je suis bloqué de l'eau, trouve la statue, mais j'ai pas encore j'ai pas creusé assez, on va dire. Ah, y a un dragon. Il y a un caillou qui tombe. Il est où? Il est où? Moi j'ai pris le rouge. J'ai pris le pro hein, pour les jeux méga CD. Je te le sors. Il est là. Alors j'ai pris l'édition Noël sans faire exprès. Je m'en fous un peu mais. J'ai pris celui-là pour le. Tu vois, il est rouge transparent. Alors, on va me dire qu'il marche pas, c'est ça? La viande congelée, ok. Voilà, est congelé. Ouais, ouais, il fait méga CD le pro. Si elle marche, elle. Ouais, pas du luxe. Attends, on va récupérer un peu de booster pile ici. Allez, c'est parti, on s'en va en l'air. Comment ça, 30 euros? 30 euros? Non, il fait 200 balles. Tu veux le prendre sur AliExpress? Attention, sur AliExpress, ils font pas méga CD. Hein. Ouais, ouais, non, sur AliExpress, c'est des copies, ils font pas méga CD. Hein.
On y est, alors. Que je regarde un peu la carte. Le géoglyphe, il est... Ok, vraiment sur la virgule. Ouais, c'est ça, il faut aller chez Krix, alors c'est pas le même prix, hein. Alors. On est là. Allez, je suis à Perpète. Ouais. Il faut que j'aille là-bas. Ah bah je le vois le jeu, il faut, ok. Et la qualité est vraiment pas la même, hein. Tu peux... C'est sûr que le prix est pas la même, mais la qualité est pas la même non plus. Il y a quoi là, à part une piste de luge? Attends, c'est de l'autre côté. Je suis pas du bon côté. Ah, saloperie. Ah ben ouais. Ok. Tu peux faire ça. Ouais, et puis ? Il y a d'autres anneaux ? Bah ok. Je sais pas, j'ai pas vu. Ah, il fallait plonger. Alors attends. Est-ce que ça m'a déclenché quelque chose ? Bon, on va se remettre à la truc. On va réessayer. On va réessayer. Tu l'as fait toi, pendant où sur le Zelda? Je suis la lueur verte, ok. On va essayer. Alors. Ouais. Ouais, je sais. Oula. Ouais, je vois pas de... Je vois pas.
C'est pas grave, hein, regardez, un petit sanctuaire. Non, t'inquiète, hein, pas de soucis. T'inquiète pas. Oui, c'est pas clair. Ouais. Alors. Bon, alors, le truc, c'est en fait, il est. Crix. Crix, il les bloque. En fait, non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Perdu 2 minutes. Il les bloque niveau software parce que c'est déjà des copies de Crix en Chine. Après, il est tout seul, ça coûte cher. Hein, les matériaux ont explosé aussi. Je trouve qu'il fait du beau boulot. Le chemin de la liberté. Ouais. Alors. Ah, c'est loin, c'est pas grave. Ah mais c'est au-delà de mes compétences de bricoler ça. Désolé. Ok, facile. Pour le moment. Hop. Je peux la coller là. Ouais. Alors, je suis bloqué. Je peux pas faire marche arrière. Attends, si je vais pouvoir. Ah, ça va être comme ça. Non, P. Alors.
Voilà. Bim. Alors. D'ailleurs, Jika, est-ce que tu as entendu parler du comment dire, du Recalbox RGB Jama qui sort tout à l'heure à 20h là. Il balance le crossfunding tout à l'heure. Oui, mon chat. Hop, le retour du chat. Salut le chat. Oh oui. Est-ce que tu peux éviter de montrer ta rondelle au stream, s'il te plaît, le chat? Oh oui. Allez. Cachez ce trou de balle. Tu nous fais l'œil de sauron là. Ouais, ça y est, bah, il balance le crowdfunding. C'est ça, je vais montrer avec un jour. Ouais, c'est ça. Allez, plus qu'un, on va pouvoir se faire trois, enfin, je pense deux quarts de cœur à une endurance. Mais d'abord, géoglyphe. Il fait un temps magnifique en Hyrule, hein. On y voit comme dans un trou de balle. Arrive encore. Zizé, c'est en bas. Ah, génial. Maintenant il neige plus, il flotte. Il y a un arc-en-ciel. Ok, c'est une caisse avec des graines lumos. Ok. Pourquoi pas. Jeep, pourquoi pas. Jean-Michel. Il est du matin cela, ok. Alors. Ça. Alors, bon, tu gardes ta 360 taquet, ok. Bon, je peux comprendre. Alors. De là. Allez.
Et il veut pas se coller plus près? Tu veux pas te coller plus près? Bon. Ensuite. Comme ça. Est-ce que ça va tenir? Dilash? Bah ouais, ça tient. Avec une voilà. Une structure digne des plus grands architectes. Vraiment une tête de gland lui hein. Allez, donne-moi à bouffer. Tête dessus pour eux, ça marche aussi. J'espère qu'il a pas les oreilles qui sentent la merde du coup. Allez, merci. Pas de plus. Bon. On est là. Qu'est-ce que c'est que je vois là? Qu'est-ce que donc que cela? On verra ça plus tard. Ça m'intrigue. On verra ça plus tard. Hop. Oh, c'est fini, oui. Aïe. Robuste à 25. Ouais, on va peut-être échanger. Non, par contre, attends, parce que sinon je vais me faire poutrer comme un con. Occupé là. Bon, j'ai fini de m'emmerder. Allez, rentre. Voilà. Yaha. Ah, mais j'ai plus de batterie. Non, attendez, on va changer la manette.
Alors ça va demander, par contre, il dit t'as plus de batterie, hein. C'est charge maintenant. Il y a un œil. Il est où? Me dis pas qu'il est en haut de la colline. Pas qu'il est en haut de la colline à des yeux là. Ah si, il est en haut. Non, il est plus bas. Que je l'ai perdu. C'est pas grave. On va remonter un peu. De là pour gagner un peu pour récupérer. Jean-Michel Galarien ligne quand même hein. Ça fait 15 ans qu'il se fait chier à sauver le royaume à chaque fois. Je suis en train de faire demi-tour là. Oh putain, et maintenant il pleut. Ça il peut plus. On est où là? Et ok, on est de retour là-bas. Au sud des limites. Le coup est sur la bonne direction. On va déclencher le cerisier.
Hop. On peut les améliorer les pouvoirs de les pouvoirs des gardiens. J'aurais pas plus que cette petite bourrasque qui est très bien, hein, qu'on se le dise. Hein. Faut le faire comme le modèle. Il est comment le modèle? Ok. Comme ça, non? Non. Comme ça. Avec plaisir. Ouais, il y a de la verdure là-haut. Pour récupérer. Allez, grimpe, petit Link. Je peux le faire. Ouais, que c'est vous, on s'en fout. Bah oui, bah oui. Une dextérité hors fer. Canard au loin. Et il te montre les trucs cachés. Terre va. Alors. Oh.
Et tiens, on va lui ajouter ça. Pas là, collé. Il est là, voilà. Non ? Attends, il faut que je lui colle un skateboard. Plus simple. Oui, comme ça, ça va, ça ira beaucoup mieux. Cet échec cuisant. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ok, alors direction. Eh, on s'approche, hein. Et on arrêtera le live pour aujourd'hui, après. Mais il disparaît pas quand j'apparais. Mais ok, un sanctuaire. Eh bah parfait, il y a un sanctuaire là. Sanctuaire en bas ? Ah merde. Il est par là. Bien fait cette genre ces nuages. Bah il est où? Bon Dieu. Ah bah il est là. Allez. Et après on aura le géoglyphe qui est pas loin. Bah il est juste là. Bah écoute, bah nickel. Allez. Allez, un petit sanctuaire facile là. Ah génial. Ok, c'est un combat.
Place avec le courant. Ouais. Oh, sérieux? Ah, ça s'est pas nager un golem. Bon à savoir. J'ai pas débloqué d'arc? J'ai pas débloqué d'arc? Il avait pas d'arc lui. Lui il en a. Ah, il m'a crevé. Saloperie. Ah, faut que j'arrête. On va se faire le géoglyphe, et puis on va arrêter là. On y reviendra après. On y en a sur le prochain live, sur celui-là. Je vais me le noter. Alors. De toute façon, là, on parle game over, mais bon, on va se mettre une balise quand même. Voilà.
C'est un village ennemi, ça? Ah ouais, c'est des pirates. On va tracer. Ah, ils ont... C'était amical, ça, avant. Alors. Allez, où la gougoute? Ok. On a un peu de hauteur. De là-bas. C'est juste un tas. Juste un... Ah, c'est peut-être juste un yahaha. Je fais perdre mon temps encore au bout. À tous les coups, il va être au bout de, au bout du bout. Bon, t'es où la flacasse là? Est-ce que je peux monter sur le buffle? Il était dans le précédent jeu aussi, hein, je crois. Ne serait-ce pas là? Non, c'est pas là. Oh bordel! Aïe. Et bon sang, bonsoir, elle est où la flaque?
Tiens. Courou. Alors le truc qui est pile poil long, plusieurs éthers, ouais. Le truc qui est vers pile poil bien en long là, c'est bien pratique. Et hey, ben. On va prendre un peu de hauteur. Ça commence à être montagneux. Alors là, il y en a pas. On va prendre un peu de hauteur. Je suis pas allé regarder vers là-bas. Ah, ça devrait être là, non? Ça ressemble à une flacasse, ça. Ah, merci. Merci, Kimandris. Oh non, le chat. Voilà, Zelda. Personne ne nous dérangera ici. Tu voulais me parler en privé, je crois. Alors je t'écoute. Votre bêtise me confond. Ah. Oh, ce n'est pas très gentil de me parler sur ce ton. Il est très malin si tu comptais encore faire illusion. Tu es démasqué, marionnette de Ganondorf. Nous croyais-tu naïve? Pensais-tu réussir à nous abuser de la sorte? Ah, je l'aurais mis dans la gueule. Ok, c'est juste... Marche arrière. C'est bon. Ok, bah sur cette scène tragique, nous on va se quitter. Hop, ça va sauvegarder. On va rebasculer là-dessus et on va s'arrêter pour aujourd'hui parce qu'on a quand même joué deux bonnes heures, voire trois là.
Donc, je parle d'attendre. Ouais, depuis 2h46. Alors, pour avoir fait des larmes dans le désordre. Ah ouais, ouais, c'est vachement cool. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On compensera, donc on recommencera. Donc, pas vendredi prochain parce que je suis en tournage, mais samedi ou dimanche prochain, on reprendra les lives pour continuer. Alors, on fera peut-être un peu de Lego pour commencer, puis on enchaînera avec du Zelda. On a la petite Batmobile à monter. J'aimerais bien prendre la prochaine Batmobile aussi. Ils vont faire la version de Burton en petite. Donc ça sera sur un des prochains achats. Mais bon, là, il faut que je calme un petit peu avec, avec l'achat de la chaîne Ify. C'est un peu tapé, et puis il y a le RGB ce soir. Donc encore une pub Ikea. Désolé, maintenant, on va juste patienter que la pub s'arrête. Et puis nous, on va s'arrêter également. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est plutôt cool de passer ce dimanche. Ah non, ton tournage ? Non, c'est un court-métrage. Je vais jouer à... C'est mon premier tournage en anglais. Et je vais jouer à un policier. Donc voilà. Prochain tournage. Donc nous, on se fait des bisous. On va s'arrêter là. Alors, est-ce qu'il y a des copains qui sont en live ? Est-ce qu'on peut lancer un petit raid chez un copain là ? Du Smash Bros ou du Monkey Island? Vous préférez quoi? Hop. Non, t'es pas en live. Non, tu ne sais pas live. Bon, bah écoutez, on va aller. Allez voir chez. Bah, tu devrais essayer. Salut, papy! Bah, t'arrives pile poil à la fin. Dicky, on va laisser chez Dicky. Faites un bisou, Dicky. Pourquoi je ne la vois point? Elle a coupé? Elle a coupé! C'était la fin. Bon, ouais. Ce sera du Smash Bros. Amusez-vous bien. Je fais des bisous. Passez une bonne soirée. Pas trop de bêtises. Bon courage pour demain. C'est dimanche. Et puis, demain c'est lundi, mais aujourd'hui c'est dimanche. Donc, bon courage. Et puis, je vous fais des grosses bises. Allez, ciao les copains. Bye bye.